Depuis combien de temps ce salon semble être si familier, être une maison, un foyer, quelque chose de réconfortant? Sans doute depuis beaucoup trop longtemps. Peut-être depuis toujours même, qui sait. Cependant, il y a cet écho qui rappelle que les choses ne sont pas ce qu'elles sont, ou ce qu'elles semblent être. Il y a peut-être quelque chose d'autre à faire que de vivre dans un salon depuis des années. Il semble être le matin, ou quelque chose qui s'en rapproche. Ces marches grinçantes, beaucoup trop familières. Et ce vieux bois un peu partout. Le salon et son ambiance calme, paisible. Tout du moins avant que les gens commencent à festoyer à l'intérieur. Comme toujours. Comme toujours, il y aura de l'animation. L'alcool va couler à flot. Les discussions vont aller bon train, dans un espèce de bois incessant. Et le propriétaire du salon, toujours jovial, servira inlassablement les clients. Encore et toujours. Cette vision si familière, et pourtant, si étrange. À l'intérieur, il y a autant du côté cow-boy que du côté indien. Et personne ne semble s'émouvoir de la différence culturelle des uns et des autres, bien au contraire. C'est comme si les choses avaient toujours été ainsi. Et en fait, elles ont toujours été ainsi, n'est-ce pas ? Hermitage Town, c'est le nom de cette ville. Hermitage Town, une ville perdue au milieu d'un désert, partiellement fleurie. Une ville de Far West. Et ce salon semblant être la seule attraction, ou la seule chose vraiment vivante de cette ville, ou de ce petit village. Et Monsieur Wingot, toujours fidèle à lui-même, propriétaire du salon. Un peu bourru, mais très sympathique. Est-ce que la paix a toujours duré ici? Il semblerait bien que oui. Toujours ce côté paisible. Les sables du temps ne semblant pas affecter quoi que ce soit ou qui que ce soit ici. Comme si les choses étaient figées hors du temps. Pourtant, ce sentiment étrange prend à la gorge. Une paix pareille n'est pas possible. Ça sent le calme avant la tempête. Justement, en parlant de tempête, le shérif entrant en trombe. Il semble inquiet. Il salue vaguement les gens. Prend un verre de whisky. Et s'installe à sa place, comme d'habitude. Puis, comme s'il n'y avait jamais eu ce petit interlude, il semble discuter, de manière plus ou moins naturelle, avec un indien. Ou alors, il semble totalement agité. L'étrange sentiment qui vous envahit. Ah, c'est toi. Content de te voir, comme toujours. La chambre te plaît-elle ? Oui, je suppose. Tu vis ici depuis tellement d'années. Après tout, je ne vais pas le cacher, surtout pas à l'enfant du village, n'est-ce pas? Alors, que te dire de plus si ce n'est que les choses ne vont pas forcément bon train en ce moment? Les affaires fonctionnent bien. Il y a toujours la bonne ambiance. Mais quelque chose ne va pas aujourd'hui. Tout le monde semble un peu anxieux et agité. Je pense qu'il faudrait peut-être questionner le shérif à ce sujet. Il ne m'a que vaguement parlé et il semble totalement paniqué. D'ailleurs, il est en pleine discussion avec le chef de la tribu indienne. De quoi peuvent-ils bien parler, je ne sais pas. Du peu que j'ai pu entendre en allant les resservir, j'ai entendu le mot « âge de guerre ». Peut-être que les questionner serait un bon moyen d'avancer et de comprendre ce qui se passe. Moi, je n'ose pas te dire ce qui se passe. Pour la simple et bonne raison que ce n'est pas à moi de le faire. Chacun son rôle ici-bas. Ceci dit, mon enfant, tu es toujours une personne extrêmement précieuse à ce village. Et j'aimerais t'en dire davantage, mais je ne veux pas t'affoler plus que ça. Peut-être aller parler au shérif. Vraiment. Sinon, le petit déjeuner sera prêt, comme d'habitude, à la même heure. Et à midi, ce sera des faillots au bacon avec de la graisse de bison. Oh, tu tombes à pic. Merci, grand chef. Je vais avoir besoin de ton aide, comme je vais avoir besoin de l'aide de tout le monde. Vu ce qui va nous tomber au coin de la gueule ce soir, vaut mieux être prêt, n'est-ce pas? Me dis pas que tu as oublié ce problème, voyons. Tu es vraiment tête en l'air des fois, c'est désespérant. Bon, je vais te le rappeler. Alors, il se passe que depuis quelque temps à Hermitage Town...
le destin de cette petite ville semble être en jeu, tout simplement. On est prédaté sans relâche. Sauf que d'habitude, c'est maintenu en extérieur de la ville. Là, je crois que c'est ce soir que se joue le destin de notre bonne petite cité. Ces empotés de la cavalerie militaire ont totalement échoué. Heureusement qu'on peut compter sur ces Iroquois des sables. Vraiment. J'ai ramassé le plus d'armes et d'équipements que j'ai pu retrouver et j'ai tout ramené ici au saloon. Il faut que chacun puisse se battre. Oui, un véritable arsenal digne d'une grande guerre. Et c'est ce qui va nous tomber au coin de la figure ce soir, n'est-ce pas? Bien. Ta mission dans tout ça, c'est très simple. Tu as une tâche à choisir pour commencer. Alors voilà, la mission est toute simple. J'aurais besoin que soit tu partes me chercher de la dynamite avec ce groupe là-bas, soit, bien entendu, tu restes ici et tu aides à barricader. Et le groupe se débrouillera sans toi. Que choisis-tu? Les préparatifs? Ou aller me chercher cette dynamite? C'est la seule chose que j'ai oubliée. Ne me regarde pas comme ça, l'erreur est humaine, cela peut arriver à tout le monde de faire des erreurs, n'est-ce pas? Juste, s'il te plaît, dépêche-toi de choisir. Je sais que tu es très précieuse comme personnalité à ce village, mais la célébrité n'excuse pas tout, n'est-ce pas? J'ai besoin de ta réactivité maintenant. Il n'y a pas que ta vie qui est en jeu, vois-tu ?